Deuxième point, une conscience commune de l'épiscopat. Oui, bien sûr, le concile de droit, c'est la rencontre de tous les évêques de par le monde. Ils sont membres de droit du concile. Vous vous souvenez que, bien sûr, le concile, il n'y aura pas uniquement que des évêques de l'Église catholique et des églises catholiques orientales, mais il y aura aussi ce qu'on appelle des observateurs, qui sont des représentants des différentes confessions chrétiennes, orthodoxes et protestantes. Et puis, il y aura aussi beaucoup de monde, des journalistes, bien sûr, des supérieurs généraux de congrégations masculines. Mais fondamentalement, ce concile Vatican II sera le concile de l'épiscopat. Et ça peut paraître étrange d'insister sur cet aspect, hein, parce qu'on se dit, bah oui, le concile, c'est les évêques, c'est normal, ils se retrouvent, ils se congratulent, ils sont contents de boire un café ensemble, tout ça, bon, voilà. Non, non, ça va aller évidemment beaucoup plus loin. Et pourquoi ça? Eh bien, parce qu'on était resté. On était resté sur une insatisfaction. Le concile précédent, qui était le concile du Vatican, qui n'avait pas de numéro, puisqu'il n'y avait pas de second. Donc, c'était le concile du Vatican, qui devient le concile Vatican I. Voilà, c'était interrompu, donc, à cause de la guerre de 1870. Et, bon, quelquefois, on reproche un peu à ce concile d'avoir exacerbé la primauté du pape, de l'avoir porté au pinacle, et d'avoir réduit à néant précisément la personnalité des évêques dans l'Église. Bon, il faut dire que la question de l'épiscopat avait été prévue dans le concile tel qu'il avait été inauguré par Pie IX. Et puis, bon, il avait commencé en 1869, en décembre 69, et il s'était interrompu en 70 à cause de la guerre, comme vous le savez. Et donc, il n'est resté de ce concile qui voilà, s'est interrompu brutalement, il n'est resté que ce fameux texte Pastor Eternus sur la primauté du pape, vous savez, le dogme de l'infaillibilité, etc. Et d'une certaine manière, il y avait un manque qui existait au niveau de l'épiscopat. Alors, évidemment, la primauté du pape, le pouvoir du pape, on va y revenir tout à l'heure, certains en étaient absolument jaloux. Le pape faisait ce qu'il pouvait. Mais ceux qui sont autour de lui, c'est souvent ceux qui sont les plus attachés, évidemment, hein, au pouvoir de la fonction. Parce que, évidemment, leur pouvoir à eux en dépend, je dirais presque leur vie et leur survie et leur identité et leurs honneurs et tout ça. Et donc, autour de cette primauté du pape, il y avait le petit groupe de la curie qui était là. Et il va y avoir une tension assez vite, précisément entre la curie qui avait organisé, c'est vrai qu'elle avait beaucoup travaillé, la mise en place des structures du concile, et puis tout d'un coup, cet épiscopat très nombreux qui arrive de tous les coins. Et donc cette conscience commune de l'épiscopat va se faire un peu avec des à-coups, comme ça. Et dès le premier jour du concile, le samedi 13 octobre, donc après le 11 octobre, après tous ces fastes, il fallait se reposer quand même, c'était normal, et on commence le 13 octobre, et tous les évêques se réunissent dans la basilique Saint-Pierre, dans la Aula conciliaire, et puis il s'agit, le premier acte, c'est de voter des noms pour constituer ces fameuses commissions conciliaires. Voilà. La curie a dit, pas de problème, on va faire des listes, on va constituer des commissions, puis on va les distribuer à tous les pères. De toute façon, celui qui vient d'Afrique profonde, il ne sait même pas qui est à ses côtés, celui qui est derrière, voilà, celui qui vient de l'Asie, du Sud-Est, comment voulez-vous qu'ils connaissent les pères de l'Europe, de l'Amérique latine, tout ça. La curie, allez, on va distribuer des listes, et puis vous allez voter, messieurs. Voilà. Ouh, mais c'est que ça n'est pas passé comme ça. Et voilà que tout d'un coup, un cardinal qui est assis à la droite du cardinal Tisserand, cardinal Tisserand, c'était le président du conseil de présidence, c'était le doyen du Sacré Collège, voilà, grande barbe et tout ça. Et à la droite du cardinal Tisserand, au banc du conseil de présidence, son éminence le cardinal Liénard, archevêque de Lille, président de l'Assemblée des cardinaux archevêques de France, s'est levé en latin. Et l'on dit que certains pères éloignés du banc de la présidence reconnurent à son accent qu'il s'agissait d'un évêque français. Le cardinal observa que la procédure proposée ne paraissait pas très adéquate. Voilà, mais il faut dire quand même les choses de façon un tout petit peu mesurée. On est avec des prélats, donc il faut un peu d'onction. Mais en gros, ça voulait dire votre combinazione, on n'en veut pas. Voilà. Alors, ça, c'est le compte-rendu de Jean Pélissier, qui était le chroniqueur de la Croix de l'époque. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu un style journalistique. Mais il y a
Liénard, tout d'un coup, se lève et dit « Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, remballez vos bulletins de vote qui sont tout préparés, tout faits, avec des listes toutes prêtes pour par la curie, et les pairs vont voter. Mais pour cela, il faut leur donner du temps. Il faut qu'ils se connaissent. Il faut qu'ils commencent à parler entre eux. Il faut qu'ils sachent qui sont leurs voisins de banc, leurs voisins devant, leurs voisins derrière, etc. » Alors il y a eu un peu de flottement, et puis tout d'un coup, voilà qu'un autre cardinal se lève, le cardinal Frings, archevêque de Cologne, nous allons y revenir, en son nom et en celui des cardinaux Koenig, archevêque de Vienne, et Döpfner, archevêque de Munich, approuva les propositions du cardinal Liénard. Alors là, le pauvre cardinal qui se rend, il n'en pouvait plus, il devient aussi rouge que sa barrette, si vous voulez, voilà. Hein? Alors, on suspend la séance, voilà, et la séance inaugurale n'a duré qu'une petite heure. Et quand les pères sortent de la basilique, évidemment, il y a tous les bus qui sont là sur la place Saint-Pierre, mais il n'y a personne dans les bus parce que les chauffeurs sont allés voir un coup. Voilà. Et ils ne pensaient pas que, évidemment, les pères sortiraient si vite. Premier acte, si vous voulez, où là, on voit que les évêques disent « Mais le concile, c'est nous. Ce n'est pas simplement des choses d'en haut. Voilà. Hein, c'est pas des, on n'est pas des pantins, on ne doit pas être manipulés. » Donc, il commence à avoir, évidemment, et les élections vont se faire avec des bulletins, c'était pas rien. Hein. Il fallait voter pour les 10 commissions conciliaires, les commissions étaient composées de 24 membres, voilà, plus les experts, etc. Et on en élisait 16, et le pape en nommait 8. Voilà, donc il fallait mettre 16 noms multipliés par 10, puisqu'il y avait 10 commissions conciliaires. Donc, vous voyez, ça faisait des bulletins de vote avec 160 noms. Voilà. Alors, bon, c'est quand même, il faut quand même un petit temps de réflexion. Déjà, nous, quand on en a deux ou trois sur un bulletin, on ne sait pas très bien pour lequel choisir, alors on les compte un peu. Voilà. Autre aspect de cette conscience commune de l'Épiscopat qui va se manifester, c'est au cours de la deuxième session, le 8 novembre 1963. Ici, vous avez le cardinal Frings, et qui vous reconnaissez à côté ? L'abbé Ratzinger. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'abbé Ratzinger, eh bien, bien connu, nos services, bien sûr. Voilà. L'abbé Ratzinger, c'était le conseiller théologique du cardinal Frings. Le cardinal Frings était une personnalité très marquante de l'épiscopat allemand, archevêque de Cologne. Malheureusement, il était âgé, il avait 75 ans, on ne sait rien aujourd'hui, évidemment, en pris une jeunesse, 75 ans, voilà. Mais à l'époque, quand même, il y a 50 ans, c'était déjà quand même quelque chose qui portait le poids du jour et de la chaleur, évidemment, même si à Cologne, il ne fait pas toujours très beau. Mais il avait choisi l'abbé Ratzinger, voilà, comme conseiller théologique, et c'est en fait l'abbé Ratzinger qui lui écrivait beaucoup de ses discours, de ses participation, et surtout que le cardinal Frings était très malvoyant, donc il ne pouvait pas lire lorsqu'il intervenait dans l'assemblée conciliaire, et il faisait lire, alors non pas par l'abbé Ratzinger parce qu'il n'était pas membre du concile comme tel, hein, quoi qu'on en pense quelquefois, il était parmi les experts, mais il faisait lire ça souvent par le secrétaire général du concile, Mgr Felici. Et à la deuxième session, eh bien, il y a toute une question qui va se soulever sur la question de la collégialité. Voilà. Est-ce que les évêques constituent véritablement un collège, les évêques en union avec le pape, bien sûr, qui est un évêque, le pape, même si c'est le primus inter pares, bien évidemment, mais est-ce que les évêques constituent véritablement un collège qui s'origine dans le collège des apôtres, des 12 apôtres, avec Pierre, bien sûr, distingué par le Christ lui-même à l'intérieur du groupe des 12, ou bien est-ce qu'on reste dans cette structure pyramidale où il y a le pape, puis les évêques, puis les prêtres, puis les fidèles, et puis en dessous, ben, on ne sait pas tout ce qu'il y a, parce qu'il faut essayer de voir, ben, ne pas dégringoler d'une marche, hein, si possible. Nous allons revoir cette image tout à l'heure, ça n'est pas des carabistouilles ce que je vous raconte.